belle vie, c'est ça, quelque Alors, chose de très simple. une belle vie, écoute. C'est les rossignols. Si en plus tu rajoutes la respiration, les odeurs, Bon, on va voir les stars ou quoi? Génial! Voilà, tu vois, la nature, c'est extraordinaire parce que tu as l'impression que tu plantes, que ça va pousser et puis que tu peux te nourrir avec. C'est pas vrai. Comment dis-je? Là, ça, ce sont des asperges. Je les ai plantées l'année dernière. Pendant 3 ans, je vais m'en occuper. Avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour. C'est un terrain qui leur réussit bien, non? Ah oui, c'est une belle terre. Les Morts, c'est une terre silicieuse. Oui, ça. Regarde ça comme c'est beau. Mmh. C'est extraordinaire. C'est une vagabonde, elle va où elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Mais si tu es attentif, elle est d'une générosité extraordinaire. Les plantes, c'est extraordinaire. Pour ça que quand on ne fait que de la monoproduction, on a des problèmes. Il faut toujours associer l'animal au végétal. Et c'est à ce moment-là pendant que tu as un équilibre parfait. Sinon, tu es obligé d'acheter des produits chimiques et à ce moment-là, tu pollues ta terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que tes plantes, nous humains, entre la cellule animale et la cellule végétale, il y a très peu de différence. La cellule animale est un peu plus travaillée, mais quand on commence à se nourrir d'un végétal, la cellule animale, tout de suite, elle la reconnaît, quoi. Et réciproquement. C'est dans ces deux mondes qui se côtoient, qui s'apprivoisent l'un l'autre et qui sont extraordinaires. Et ça te permet d'avoir une symbiose fabuleuse. Mais regarde ce qui est à côté, c'est d'une délicatesse. L'asperge, c'est fabuleux, quoi. Ça stimule les reins et c'est très très bien. Oui, oui. C'est bon pour les reins. Et c'est très très bon pour les reins, quoi. Et en recette, on connaît en dehors de manger avec une vinaigrette ou... Bon, tu manges ça, comment dirais-je? Moi, je le fais, comment dirais-je? Donc, poché, 3-4 minutes. Soit je le fais à la poêle, avec un petit peu d'ail. Tu l'as fait pocher avant? Non. Directement. Je les coupe en petits morceaux et je les fais revenir à la poêle avec un petit peu d'ail. D'accord. Et c'est un délice. Un tu manges ça. Oui, un petit peu d'huile d'olive et on va donner un petit peu d'ail et c'est un régal. Ouais, ouais. C'est belle, hein, le matin. Tu vois, ça c'est une belle plante aussi. C'est autrefois les gens se nourrissaient de ça. C'est le Chénopode bonnari. Ça c'est une très bonne salade. Une sorte de salade ou d'épinard? De salade. De salade, oui. Donc, n'aurait pas voulu, même pour une thune, m'étendre dans la peau et n'en sortirait plus pour toute une fortune. Sur une ligne comme ça, je ramasse 5 à 6 kilos d'asperges tous les 2 jours. On va dire que, comment dire, par marché, je dois avoir. Une dizaine de kilos d'asperges à vendre, quoi. Becky, 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 vé, vé. Vé, 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 vé. Becky, Becky, vé, vé. Venez là, venez là, venez là, venez là. Vé là, vé là, vé là, vé, vé. Vila, un troupeau, c'est extraordinaire parce que, comment dire, tu as toute la société. Tu as des dominants, des dominés, des jeunes, des âgés, comment dire. Et puis, chacun, pendant a des rites, comment dire, chacune, pendant, bon, est issue d'une famille, donc quelque part, comment dire, il y a les...
les grands-mères, les arrière-grands-mères et tout, etc. Et contrairement à ce qu'on pense, même si quelquefois on les sépare, elles se retrouvent sans aucun problème. Et quand tu les vois se coucher, donc tu vois les familles qui se sont recomposées. Qui se recomposent, ouais. Ça veut pas dire donc qu'elles se souviennent. Quoi. Voilà. Ouais. Ça veut pas dire qu'elles se, comment dire, elles s'entendent toujours très très bien, tu vois. Donc c'est des journées de combien, des semaines de combien d'heures? Comment dire, on va dire que, allez, dans le meilleur des cas, c'est entre 70 et 90, quoi. Oui. Et ça depuis 50 ans. Ouais. Moi, les vacances, c'est un état d'esprit. Oui. Tu vois, là, par exemple, ce matin, je suis en vacances. Alors, tout à fait, oui, oui. Je prends du temps, j'explique les choses, je suis avec des gens qui sont attentifs et qui écoutent ce que je dis. Et je me dis, bah, tiens, c'est un partage. Voilà, oui. Et quelque part, quand tu me parles, quand tu me dis des choses, eh bien, ça nourrit, comment dire, ma réflexion, et donc c'est du bonheur, quoi. Tu peux sortir à une moitié, là, pas le but. Salut, Jules. Salut, Charles. Il faut savoir que si ta chèvre elle est en bonne santé, la première fois quand on les traite, on regarde la mamelle, on touche la mamelle, on a une machine pour les traire, mais on traite quelques gouttes et on touche la mamelle et on voit si en venant la mamelle est propre, saine, il n'y a aucun problème. Le lait doit être en venant en bon état. Et le lait, il possède sur quelques heures des bactéries, des ferments, tout ce qui est capable, des hormones, tout ce qui est capable de protéger le lait. Ce qui fait que quand tu es chevrier et que tu travailles avec ton lait, tu as toujours un produit d'exception parce que tout ça, ça protège le lait, quoi. Et si tu veux, notre façon de travailler, c'est on récupère le lait, il est à peu près, donc quand il sort du puits de la chèvre, il est à 37-38, et donc il est à bonne température, quand on arrive en fromagerie, autour de 25, et on le met tout de suite à cailler, avec un petit peu de présure, c'est ce qui vient de la caillette
d'un cabri nouveau-né qui donc, a bu que du lait. Et qu'est-ce que je viens d'enlever là, de récupérer? Ça c'est du ferment. C'est le secret d'un bon fromage. La pressure te permet de durcir, mais le petit lait te permet vraiment d'avoir vraiment ce côté extraordinaire du fromage. Et ça, c'est un petit lait qu'on garde d'une fois sur l'autre. Et il faut imaginer que le début de ce petit lait, il a grosso modo 50 ans. Ensuite de ça, si tu travailles naturellement, normalement, tu fais cailler ton lait à peu près 12 à 24 heures. Tu as un cahier qui est à la fois très, très doux, très agréable. Si tu veux, tu peux prendre une cuillère sur le côté et puis je te le fais goûter. Tu as un autre jour. Ouais. Merci. Et tu dois avoir de la différence. C'est subtil, mais c'est... Oh là là. Selon la période où ça a été fait. Qu'est-ce que c'est bon. Ouf. Des demi-secs qu'on a là-bas. Oui. C'est les mettre à sécher. Donc ça, c'est un séchoir de fromage avec une certaine température. Et donc les fromages perdent un petit à petit pendant de l'humidité. Il faut que ça se fasse tranquillement. La température, c'est entre 13 et 14 degrés. L'hygrométrie, c'est 75%. Quoi. 75 ou 60%. Quoi. En 2005, tu m'emmènes une vingtaine. Oui. Voilà, tu vois, ça c'est le fromage donc demi-sec. Et si tu le laisses petit à petit, donc c'est une flore qui vient naturellement en cave. C'est Penicillium glaucum et c'est un délice. Ouais. Et là, le fromage, comme ça, tu peux le garder 9 à 10 mois sans aucun problème. D'accord. Et ça, c'est une autre façon de travailler. C'est une tome de chèvre. Alors celle-là, c'est celle d'automne. Et celle-ci, c'est celle du printemps. Du plus doux vers le plus fort comme tous les fromages. Le plus doux, c'est celui-ci. Voilà, exactement. Il est long en bouche dans ses arômes. Voilà, exactement. Là, ses arômes longtemps. Et ça, c'est pour moi, cela, c'est vraiment. Celui-là est plus fort par rapport. Voilà, tu vas voir, il a. Sur celui-là, tu as de la vivacité. Là, c'est comme l'être humain. Il commence à être mature. Oui, oui. Et quand tu es jeune, tu as de la vivacité. Il a l'air d'héroïque. Et là, on entre plutôt dans notre période à nous. Elle est pas mal, notre période. Hein? Non, tout à fait. Et après, là, tu peux manger avec la croûte, enfin la croûte comme tu veux. Oui. Tiens. Celle-ci, c'est celle d'automne. Vieux, c'est ça? Oui. Jeune, mature.